If it's way too big, I can give you an. On est sur la patinoire, vous pouvez le voir juste là, la patinoire de la Grande Roue. Franchement c'est super cool, ça faisait longtemps que j'avais pas patiné, mais franchement l'habitude est revenue assez facilement, je suis quand même content. On va profiter un peu ici et puis c'est parti hein. Vas-y, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite.
bonne journée. De petites ailes ou de kiwi. Je me fie sur le passant, le moins s'habillé. C'est là que j'ouvre ma fenêtre et sans me gêner. Je lui demandais comme si c'était mon bon bonnet. J'ai dit, hey, what's that? On est super sans gâteau à thé. Hey, y'a l'air de faire fête, t'es super dans ton gâteau à thé. Chez moi après cette belle soirée du Nouvel An. J'espère que ces petites images de la soirée vous ont plu. J'ai essayé de faire de mon mieux. Les conditions, on va dire, n'étaient pas au top, parce qu'au début il neigeait pas tellement, mais il a commencé à neiger vraiment beaucoup après. Donc voilà, mon appareil était vraiment plein de neige et ça faisait des traces d'eau, sur l'objectif. Bon, ouais, j'ai essayé de faire au mieux. J'espère que cette soirée vous a plu. La patinoire, c'était vraiment super cool. J'y avais pas encore été, ça faisait très longtemps que j'avais envie d'y mettre les pieds. Là, c'était vraiment une bonne occasion. J'avais eu cette idée à faire avec les personnes que vous avez vues ce soir. Merci à vous tous d'avoir participé à cette soirée. Henri Chaud, Cécilia et Fabien, merci, c'était vraiment cool, j'ai vraiment adoré. Il faudra qu'on se refasse ça à l'occasion. Mais voilà, la patinoire, vraiment très très sympa. J'ai réussi à patiner assez facilement, donc je suis plutôt content. Puis voir les autres qui participent aussi et qui ont quand même bien réussi à patiner aussi, c'était vraiment très très cool. Voilà, puis la soirée, vous l'avez vu, hein, de la musique avec Montréal en fête, la dernière soirée, voilà, des groupes québécois et des chanteurs québécois, donc c'était vraiment, on était vraiment dans l'ambiance. Voilà, puis un feu vraiment très très beau, par contre vraiment beaucoup beaucoup de monde, mais ça c'était à prévoir, hein. C'est quand même la soirée du Nouvel An, puis Montréal, il y a quand même pas mal de jeunes, pas mal de monde en général en fait. Et puis voilà, les conditions étaient là, la neige était là, on se sentait vraiment au bon endroit. Voilà, de la bonne musique, voilà, franchement rien à dire, c'était une très très belle soirée. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne année, une nouvelle fois. J'espère que cette année vous apportera tout ce dont vous avez besoin. Je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses à vous et à vos proches. Voilà, j'ai essayé de faire vraiment quelques petites images sympas de cette soirée, je voulais quand même marquer le coup, on va dire. Ne pas rester sans rien pour cette fameuse soirée, ce fameux passage à cette année 2020, c'est quand même quelque chose, hein, donc voilà, je voulais quand même marquer mon premier nouvel an ici au Canada, au Québec, et plus précisément à Montréal. On verra le prochain, mais cette année c'était vraiment très très sympa. Voilà, merci à tous les amis, French Canadian Travel et Henri Chaud, n'hésitez pas à aller les suivre sur leur chaîne YouTube et chaîne Instagram aussi. Voilà, ils sont vraiment très très bien comme personne, ils ont vraiment des projets très très sympas aussi, vous découvrirez ça si vous allez les voir, mais n'hésitez pas. Voilà, moi je vous souhaite une bonne soirée, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime si la vidéo vous a plu, ça me fera vraiment très très plaisir. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire, à me dire voilà, ce que vous avez pensé de la soirée, comment vous avez fêté votre nouvel an, puis voilà, ce que vous avez fait en général. Et puis abonnez-vous si vous voulez voir la suite de mes vidéos et de mon aventure ici. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très très vite. Ciao.